Michel, bienvenue euh, sur ce petit plateau ici. Hein. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le plateau de Dieu TV, comme par les activités de Dieu TV. pis, il est bien avec le rouge, rouge, c'est notre couleur, le rouge et le bleu. Euh, bienvenue. Merci de m'accueillir, c'est une joie d'être avec vous. Ouais. Souvent, on parle des Brugnoni, parce que Michel, elle elle s'appelle Brugnoli, de Carlo, c'est le mari. Carlo Brugnoli, il est connu dans la francophonie, dans les séminaires. Et euh, Michel, elle, elle accompagne le mari. Mais moi, j'étais avec Michel en Afrique cette, cette année euh, et j'ai vu que Michel, elle a un rôle aussi actif, mais on parle beaucoup moins. Peut-être parce que c'est une femme. Dommage. Euh, pour ça qu'on ne parle pas souvent des femmes. Mais aujourd'hui, Michel, on va parler des femmes, des enfants. Exactement, parce que c'est les deux choses que j'ai à cœur. Ouais. En fait, tu vois, je les ai tellement à cœur que j'ai fait un livre sur les épouses de... Et l'autre, ça concerne les enfants. Comment annoncer l'Évangile aux enfants Comment leur raconter des histoires Comment les rejoindre Comment les conduire au prince de paix C'est tout à fait possible si on prend le temps. Mais ça, tu vends de moins que l'autre titre. Hein. Je pense les enfants, c'est en centrissement. Ou ça, ça se vend aussi Alors, c'est vrai que l'histoire des femmes marche mieux, mais les femmes deviennent des mamans un jour ou l'autre. Oui. Et tout naturellement, elles s'intéressent au livre numéro 2. Écoute, euh, dans Marie... Euh... Début de l'année, euh, il, il m'envoie me un email qu'il aura un atelier de modélisme et si je ne voulais pas prendre des images. Et moi, je me dis bon, je prends quelques images pour les archives. Le jour que Carlo vient sur le plateau, j'ai les images. Je me déplace dans les Présalpes, dans les Alpes. Et j'ai découvert ton mari, mais vraiment un autre homme, un autre Carlo que je connaissais. Alors, tu veux voir des images Ah, ouais, je ouais? voudrais bien voir les images. Alors, non. un autre Carlo qu'on connaît, hein OK Alors, tu es maintenant au 7e ciel En tout cas, c'est un camp fantastique avec une belle finale, un temps magnifique. Toute la semaine, c'était pareil Alors il y a eu beaucoup de neige, et puis on a beaucoup construit à l'atelier, on a aussi beaucoup fait d'essais. On a cinq qui n'avaient jamais touché de télécommande, qui ont bien appris aujourd'hui, ils sont autonomes après 4 ou 5 jours. Mais les 3 derniers jours étaient formidables au niveau vol. Qu'est-ce que tu as dans les mains là Alors j'ai un plan de récolte euh, avec électrifié, donc qui monte... Euh... Comme ça, je peux même, même montrer. Et ensuite, il vole comme un planeur, les hélices se replient et c'est avec ça que les gens peuvent apprendre. Moi, j'ai appris seul, j'ai cassé gravement 30 câbles d'amitié et, et pour le père, une semaine d'oxygénation. Mais je dirais que le but principal, c'est pas seulement apprendre à piloter des planeurs, mais apprendre à piloter sa vie. Donc, on a des soirées à thème comme euh, choisir une amie pour la vie, choisir un bon métier. Cinq fois, je pilotais un vrai pot de colle. Et je vois qu'avec la double commande, les gens évitent énormément de casse, ils ont beaucoup de plaisir à piloter dès le premier jour. Et euh, ce camp, il sert à quoi C'est juste pour apprendre mieux, c'est trouve des nouvelles adeptes pour le christianisme comme tu es quelqu'un très actif dans la foi chrétienne Ça sert à quoi Alors il y a, il y a plein d'objectifs fabuleux. Par exemple, père-fils, il y a des pères suroccupés qui donnent une semaine avec leur fils et au lieu de, de se sacrifier... C'est un peu comme les, les trains. Euh, le père est passionné, le grand-père est passionné, le fils et le petit-fils sont passionnés. Et souvent, ils ont une semaine inoubliée. Michel. Notre but, en fait, c'est que les, les, les gens qui viennent là aient une vie qui ait un sens, un sens profond, des constructeurs, des bâtisseurs de société. Connais ton mari comme ça Rien Il est dans un autre monde Je me pose la question s'il est au septième ciel. Alors écoute, quand j'ai épousé mon mari, je me suis dit, j'épouse quelqu'un de très sérieux, de très consacré. Ouais. Mais j'ai découvert qu'il y a un côté humour, il y a un côté jeu. Il, a, il est vraiment comme un enfant avec des grands jouets. Il y a quelqu'un qui a dit, mais quelle est la différence entre un enfant et un homme La taille du jouet. Elle est peut-être un peu plus grande chez l'adulte. Ouais. et, et euh, il, il m'a dit, Johannes, tu veux prendre la télécommande Je lui ai dit, oh, tu sais, je préfère ma caméra. Mais essaye Alors après, euh, trois, quatre fois, il m'a demandé. Je lui ai dit, abandonne bon, ta télécommande. Lui, en tant qu'instructeur, il a, il a tenu la manette euh, du, du instructeur, marché temps son temps, et quand l'avion a piqué le nez, zoup, lui, il a remonté l'avion comme il faut. Il fait ça avec toi aussi, là C'est un très bon prof et moi qui confond ma droite et ma gauche, il a pu m'apprendre à piloter. Donc c'est un bon prof. Donc tu es venu pilote aussi Je suis même capable d'atterrir. Ce ouais. qui est vraiment l'œuvre terminale. Quand on sait atterrir, c'est bon. Mais ça t'a pris du temps pour se mettre dans son sport un petit peu, je pense. Pendant... Il est quand même dans son monde, là, quelque part. Et de rentrer dans son monde, tu dis non, écoute, moi je préfère bouquiner, écrire un nouvel livre, ou aller en Afrique ou n'importe. Faites ton modélisme. Euh, c'est pas facile, hein Alors, chacun a cette habitude de rejoindre l'autre. Ouais. Moi, une fois par mois, j'essaye d'être avec Carlo sur le terrain, avec ses petits Piloter. avions pilotés. Et puis, de temps en temps, il m'accompagne dans mes hobbies, et puis comme ça, on se rejoint. C'est quoi tes hobbies un petit peu Alors, j'ai une petite passion cachée pour Ikea. <laughs> Ah, les femmes sont tous les mêmes, ok, j'ai compris. Avec tous les hobbies qu'on peut ah, trouver oui. dans le shopping. Dans le shopping, voilà. tout à fait. Non, c est, c est, et c'est du sérieux, je, je connais, je connais ce, ce phénomène, donc je, je, je sais de quoi tu parles. Euh, mais Michel, euh, ton mari, il fait autre chose que du pilotage, du, du modélisme, et je sais que c'est quelqu'un de très, très, très sérieux. Il va tout le temps en Afrique. Vous avez fait combien de voyages en Afrique oh, Soixantaine. Une soixantaine, soixantaine de voyages, oui, peut-être un peu plus. Mm -hmm. Et pourquoi Pourquoi vous, vous, vous êtes toujours sur le continent, continent africain Sur le continent africain, il se passe quelque chose de magnifique. C'est ouais. qu'il y a une ouverture de cœur envers Dieu. Et cette ouverture de cœur, elle va se manifester... Ils sont un peu perdus. Est-ce qu'ils vont se tourner vers l'animisme, la, la sorcellerie Est-ce qu'ils vont se tourner vers l'islam Est-ce qu'ils vont se tourner vers Christ Ils sont en réflexion. Et c'est le moment de leur dire, voilà ce qu'est Christ, et vous pouvez y entrer. Et en général, l'Africain est très pragmatique. S'il voit que ça change sa vie, mmh. il va s'intéresser à la chose. Il va voir si ça touche sa famille, si ça touche son travail, si ça change son avenir et son éternité. L'Afrique, c'est un continent jeune, euh, moyen âge, je sais pas, ça peut être 20 que nous, on a un moyen âge de 45 de 60 ans en Europe. Euh, c'est vrai Tu, tu, tu sens qu'il y a une jeunesse partout, des gamins, des ados, c'est vrai que c'est un continent jeune J'ai entendu des chiffres qui disaient que les trois quarts du continent africain ont moins de 20 ans. Mmh, J'ai entendu des chiffres. Et ça veut dire qu'il y a une jeunesse qui est là, qui éclate et qui cherche des solutions. Pour que leur avenir soit meilleur que ceux que ses parents ont vécu. Mais il y a une possibilité que ça change. Tu étais cette année de, début de l'année tu étais en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses de la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire, c'est un peuple merveilleusement intelligent et ils cherchent des solutions. Ils ont vécu une guerre civile et ça a ils tué l'économie. Presque un petit peu. Ils ont pris une bonne virage. Hein. Elle était quand même assez dangereuse. Hein. Séparation ouais. ouais, ça... entre le nord, le sud. C'est ça. Et ouais. la réconciliation a pu avoir lieu. Et c'est pour ça qu'on a été en Côte d'Ivoire. C'était un moment où on voulait sceller cette réconciliation mmh. et s'occuper aussi de, de cet avenir de la Côte d'Ivoire. Tu sais que je suis caméraman. Depuis 20 ans, je me promène avec une caméra sur l'épaule. Et dans une église, tu avais un après-midi des moniteurs de tout un district autour de toi. J'ai fait d'ailleurs ici un DVD de Michel. Euh, deux, deux ou trois heures de d'enseignement, comment évangéliser ou comment instruire les enfants, comment amener un enfant avec Christ. Tu veux voir quelques extraits, comment tu enseignes Mais volontiers. Oui, ouais, ça tu me veux plaisir. Ok. Mais, écoutez bien, en priant ce matin pour la journée, le frère à la caméra a reçu une parole de Dieu pour vous. Et cette parole était un seul mot des multiplicateurs. Vous allez prendre ce que je vous dis. Vous allez le mettre à la sauce ivoirienne. Amen. Vous n'avez pas besoin de copier. Vous faites à votre idée. Vous connaissez le milieu. Moi pas. Et vous allez le mettre à la sauce ivoirienne. Et ce que je vous dis, vous allez l'enseigner aux copains, copines, moniteurs qui ne sont pas là. Vous allez l'enseigner aux enfants, vous allez être ce qu'on appelle des formateurs, des multiplicateurs de la bénédiction. Le Seigneur veut vous bénir, mais il veut que vous soyez des sources de bénédiction. Amen. Et l'une des choses que je veux vous dire, c'est un encouragement. Le travail parmi les enfants, c'est une mission toute préparée d'avance par Dieu. Par Dieu. C'est Jésus lui-même qui a dit que l'enfant était un VIP. Excusez-moi pour mon anglais, c'est pas formidable. Mais VIP, qu'est-ce que ça veut dire? Very important person. Ça veut dire quand vous êtes dans un aéroport, il y a le simple voyageur comme moi, et il y a le grand ministre, le ceci, le cela. On appelle ça les VIP. Pour eux, tapis rouge, gros fauteuil, climatisé, vous voyez tout. Les amis, pour Dieu, l'alpha, l'oméga, le tout-puissant, il y a des VIP sur cette terre, c'est-à-dire des personnes où il dit c'est prioritaire. J'écoute. C'est un samedi après-midi. Pourquoi tu mets autant l'accentuation sur l'importance de l'enfant Eh bien, moi, je crois qu'en Afrique, on oublie qu'en investissant dans un enfant, on prépare l'Afrique de demain. Et il y, y a un homme qui était un évangéliste très reconnu, et on lui a demandé combien il y avait eu de conversions. Il a dit deux et demi. On lui a dit c'est quoi Deux et demi. Deux et un moitié. Soir. Et il a dit ben oui, il y a eu. Deux enfants et un adulte. Mais l'adulte, il a déjà mangé la moitié de sa vie pour lui. Parce que les enfants, ils apportent tout leur avenir. Le choix de leur scolarité, le choix de leur métier, la façon dont ils vont se marier, leur engagement dans la société. Tout ça, ça peut être bâti sur Christ. Et on a besoin de gens qui vivent des valeurs dans l'honnêteté, dans la droiture. Et c'est ça qui relève un pays. C'est clair, quand c'est un séminaire pour les enfants ou des moniteurs de l'école de dimanche, on envoie Michel. Si c'est une pastoral avec tous les pasteurs, on envoie Carlo parce que c'est un homme, il faut que quelqu'un d'important. Il n'y a pas des valeurs qu'ils ont un petit peu faussées, que c'est que des enfants un samedi après-midi, des moniteurs de l'école le dimanche, mais on envoie Michel et si c'est des grands pasteurs, des hommes de Dieu, il faut envoyer Carlo. Il n'y a pas quelque chose qui, qui, qui ne tombe pas juste Alors, je vais te, te confier quelque chose. C'est pas frustrant C'est Carlo qui m'ouvre les portes. Ah bon C'est lui qui insiste auprès des pasteurs pour que ce travail parmi les enfants et de formation auprès des moniteurs ait lieu. Et s'il n'était pas là comme un vrai bouclier, je ne sais pas si je passerais. Mais. Lui réalise très bien la valeur de cette Afrique de demain et il me permet d'y entrer. Et c'est vrai que de ce côté-là, je vois se lever en Afrique non pas des femmes, mais des moniteurs masculins. Et ça me réjouit. Et tu, tu as vu des églises avec des centaines, des centaines d'enfants dans les écoles du dimanche ou dans des rassemblements Oui. oui. Des centaines, des milliers d'enfants qu'ils ont là dimanche euh, sur le terrain de l'église. Et permets-moi de te dire, je tire mon chapeau au moniteur. Sans moyens, ouais. sans finances, sans aucun appui d'aide visuelle, ils arrivent à captiver les enfants et sans même une formation. Et c'est pour ça que je me connecte avec eux parce ouais. que je peux leur transmettre la, le, le savoir que j'ai acquis. Oui. Et puis j'essaie de leur transmettre aussi des aides visuelles pour que... Ils puissent donner à leurs enfants parce qu'ils ont un cœur de berger, mais ils n'ont pas les moyens. Euh, un autre jour, on était été ensemble. Je repris de nouveau ma caméra pour filmer un autre séminaire. Et là, je, je suivais un séminaire que Michel avec son mari Carlo, ils ont donné aux adultes ou euh, couples. Oui. Tu veux voir quelques images de ton séminaire avec mais, ton mari Ça serait, ça serait <laughs> sympa. On regarde. C'est Michel qui va commencer les 25 premières minutes. Ensuite, je donnerai une deuxième partie. Peut-être y aura un temps de questions et puis une pause. Et ensuite, il y aura une deuxième session. De nouveau, un temps de questions et puis pourquoi pas un temps de prière comme le Seigneur nous conduira. Donc, Michel et moi, on est mariés depuis 28 ans. On est des bons amis. Moi, c'est la 15e fois que je viens en Côte d'Ivoire et j'ai habité même ici toute l'année en 77, il y a bien sûr 31 ans maintenant. Et je vais simplement prier et puis ensuite passer toute la place à Michel qui va, qui va ouvrir les feux. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole qui commence par un mariage et qui termine par un mariage. Et ce matin, nous voulons que ce soit toi qui nous enseigne, qui nous émerveille, qui nous corrige, qui nous exhorte, qui nous fortifie. Nous prions, Seigneur Jésus, que par le Saint-Esprit, tu viennes. Parlez à chacun et bénir encore ceux qui nous rejoindront. Inspire Michel pour ta gloire. Amen. Ça fait 28 ans, comme mon mari vous l'a dit, que je suis mariée. Et 28 ans où j'ai compris comment on pouvait approfondir la relation alors que nous, les femmes et les hommes. Sont tellement, tellement différents. C'est pas un secret physiquement et même dans notre émotivité, femme et homme, on est différents. Même si spirituellement on est un en Christ et même si dans la relation sexuelle on devient un, on reste des entités très, très différentes. Les attentes de la femme sont pas les mêmes que celles des hommes. Les besoins profonds de la, Le de la femme ne sont pas les mêmes que. Le séminaire que vous, vous êtes en train de donner, c'est pas. Euh, ça, tu peux pas dire en Europe, ça. C'est quand même un autre contexte, là, non Je veux dire, euh, vous, 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 ils vivent autre chose que nous en Europe. Non Alors, on l'a vécu en Europe. Pour la Saint-Valentin, on a été invité pour justement euh, fêter cette fête de tous les amoureux. Et on avait des couples d'Europe qui était très heureux d'entendre parler comment on peut en tant que femme, en tant qu'homme, se rejoindre et devenir des amis. Mais tu, tu dis euh, dans ces séminaires, je suis fier, mon mari c'est mon héros. Alors j'ai jamais entendu que ma femme elle dit johannes c'est mon héros. Euh, elle dit pas non plus que je suis un héros, c'est vrai, mais, mais je veux dire c'est pas. Je sais pas, tout, chez nous c'est plus modéré, je sais pas, euh, c'est plus démocratique, le, la relation entre une femme et un homme, chacun, c'est des partenaires, c'est, euh, là bas, l'homme c'est tellement l'homme qui commande tout, qui décide tout, et la femme c'est un petit peu le wagon qui doit suivre, je sais pas. Alors votre séminaire, il était adapté pour l'Afrique, non Alors c'est comme le balancier, tu vois. Ouais. En Afrique, on a le problème que c'est très machiste. C'est ouais, vraiment tu peux répéter. très match C'est un peu trop match. C'est toi qui as dit, hein, pas moi. Mais euh, ben, c'est vrai. Et il faut rééquilibrer ouais. les choses pour que la femme trouve sa place et puisse donner son impact. Parce que si, si tu veux un couple, ça veut dire des enfants. Et pour que ça soit parfaitement équilibré, il faudrait que le toi qui est composé de l'homme et de la femme, ça soit un petit peu équilibré. Puis en Europe... On a été comment dire tellement imprégné par l'idée que les femmes, etc., c elles peuvent se débrouiller seules, elles n'ont pas besoin de l'homme, qu'on doit rééquilibrer de l'autre côté et permettre à la femme d'entendre ce que le mari peut lui donner. C'est tout l'inverse. Quelque part, euh, comme moi je promène avec madame, euh, samedi dimanche au bord du lac, ou comme ça, on sent de la main. On va rarement sur le continent africain qu'un couple se donne la, la main pour se promener ou je sais pas cette affection entre un couple là c'est le mec quelque part sa femme avec les enfants c est, c est, je sais pas si c'est la, la, la même complicité et la même affection peut-être l'amour oui mais peut-être c'est différent non je vais te dire une chose j'ai été à des séminaires féminins africains ils souffrent quand même, les, les femmes africaines, ils souffrent beaucoup plus. Et quand je les entendais souffrir, et quand je les entendais soupirer pour que ça change, ouais. eh bien, je ne pouvais plus voir la couleur de la peau. Elles ont les mêmes aspirations que les femmes blanches. Et ton livre, ça marche, là, en Afrique, ça veut dire devenir amie de son mari, parce qu'on était ensemble, là, en Côte d'Ivoire. Et tout le monde voulait ton livre. Tu étais même invité à la radio pour parler de, de ce livre. Et Massie Domingo, mais elle a fait deux ou trois émissions avec toi. Devenir amie de son mari. Les femmes africaines aspirent à cette question aussi, ou plus que nous, je ne sais pas. Ah, les femmes africaines sont sous un, comment dire, une chape de plomb. Et il y a si une comme euh, une culture qui fait que la femme n'est rien. Un peu de boue sur lesquelles on s'essuie les pieds. C'est un peu ça la vision. c'est pour ça que devenir l'ami de son mari, c'est la vision chrétienne des choses. Adam et Ève dans le jardin. Et cette amitié, cette complicité, cette force de s'entraider l'un par l'autre et l'autre par l'un. Les femmes africaines, elles soupirent après ça. Et ce livre donne des petites clés pour reconquérir le cœur de son mari. Et je dois dire qu'actuellement en Europe, quand je vois le nombre de catastrophes, le nombre de divorces, euh... je me dis ben, que nous aussi, on a mm -hmm. besoin de petites clés pour reconquérir le cœur de son mari et pas s'en détacher. Alors dis-nous juste, bon, on a l'émission euh, avec Massi Domingo, on, va, on, va, on regarde un petit extrait. Mais dis-nous dis, dans, dans une minute, c'est quoi Comment on peut venir Comment ma femme peut venir Mon ami mon, mon, Oui, mon ami mon... Mon ami, oui, ami de vous. Comment Mon épouse mais Bon, elle est déjà, c'est ma meilleure complice, on a des, des meilleurs camarades, mais donne-nous juste un secret. Alors, je dirais aux femmes qui m'écoutent en ce moment. C'est des habits où il faut s'intéresser, il faut parler l'ordinateur, que, que ma femme, elle parle... Hey, Hé, il est super, Nooo, ton se serait... Qu'est-ce qu'elle doit faire pour me plaire Non, pour, pour gagner mon cœur, c'est ça, des, des termes que tu utilises. Oui. Elle doit te saisir. Où est ouais. ce qui motive ta vie Et souvent, ce qui motive la vie d'un homme, ouais. c'est son travail, c'est sa ah. profession. Écoutez bien, écoutez bien. Elle a des secrets. Alors, vas-y. Et lorsqu'on prend à cœur de saisir le mari, il faut qu'on saisisse la profession. Et parfois, pour nous femmes, c'est un peu technique, un peu pénible. Mm -hmm. Mais ça vaut la peine de s'intéresser à cet aspect un peu pénible, un peu technique. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée, la semaine C'est quoi, avec quoi il doit se battre Quels sont ses est défis un constructeur de ponts, constructeur ou réparateur oui. de voitures. Exactement. S'intéresser un petit peu à quel type de voiture, des Mercedes, des BMW, quel moteur, quelle nouveauté, aller avec lui à une foire d'exposition de, 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 de voitures, ou s'intéresser pour pour la matière. Il ouais. Là où il met son honneur, et souvent il met son honneur dans sa profession et dans tous ouais. ses côtés techniques, et si la femme comprend que c'est une partie importante de son mari et qu'elle envisage de le soutenir et même parfois de prier, elle a le droit de prier pour lui pour que ça marche mieux, elle a le droit de le conseiller. Il y a parfois un conseil extérieur, externe, qui fait beaucoup de bien. Un jour j'ai demandé à mon mari, mais... Pourquoi tu as mal à la tête comme ça toutes les semaines Puis il m'a dit bah, Je ne sais pas, c'est le mal de tête du jeudi. Puis on a découvert en fait que c'était le mal de tête du comité du mercredi. <laughs> c'était le comité du mercredi qui oui. avait mal à la tête le jeudi. Oui, oui. Michel, un extrait de cette émission que tu fais en Côte d'Ivoire. Tu étais invité à la radio en Côte d'Ivoire. Alors je me réjouis de voir Massy c'était une professionnelle de la question. Elle est super. Hein. Merci d'être au rendez-vous de l'émission Femmes d'espoir de Transworld Radio avec Roderick à la partie technique. Je suis Massie Domingo à ce micro et je n'ai pas résisté à l'invitation encore de Michel Brugnoli que vous aviez écouté la semaine dernière. Eh bien, ce sujet est tellement vaste, on a tellement de choses à apprendre d'elle que je lui ai demandé de revenir en studio encore aujourd'hui pour continuer notre euh, émission, notre causerie sur l'amour, sur la manière, la façon de devenir amie de son mari à partir de ce bel ouvrage que vous avez vu dans nos librairies à Abidjan et que vous pouvez encore vous procurer. Alors, euh, Michel, merci d'être revenu. Mais c'est une joie de parler de ce livre, Comment devenir l'ami de son mari Tout à fait, et c'est un livre vraiment inspiré de Dieu à une époque bien donnée et on en a besoin Michel. Écoute, chaque femme soupire après le fait d'avoir un mari qui l'aime, qui oui. la comprenne oui. et qui soit de cœur avec elle. Mais c'est vrai que c'est un combat. C'est vrai que c'est un combat. C'est vrai que c'est pas gagné. Et tu sais, l'une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que on fait une erreur. Soit on prie, on prie, on prie et on ne fait aucune chose pratique. Soit on n'a aucune connaissance de la puissance de Dieu et on essaye avec nos propres efforts de gagner nos maris. J'aurais envie de parler avec toi de deux choses. C'est qu'on peut allier prière oui. et on peut allier un amour pratique, concret. Comment le gagner Toujours. Tu aimerais en savoir plus sur la question Ah, j'aimerais en savoir plus parce que euh, je vois que ce n'est pas par nous-mêmes que ça peut se faire, mais par celui-là même qui a déjà tout payé à la croix pour nous, n'est-ce pas Écoute, il y a parmi mes auditrices des femmes qui souffrent oui. terriblement. Il y en a même qui sont totalement découragées. Et quand elles entendent ce titre, elles fuient. Elles disent ⁇ Ah non, pour moi c'est fini, c'est bloqué, oublions ⁇ J'aimerais les rejoindre celles-là. Voilà, alors, on va commencer par leur donner une information capitale. L'information qui vous dit que quelqu'un a payé le prix pour toutes vos souffrances, parce que lui, il a été souffrance pour vous. Écoutez ceci. Massy est Massy, hein? elle est unique, cette femme. Elle est, elle est, elle est géniale, Massy. Qu'est-ce que tu penses de Massy Alors, c'est une femme étonnante. C'est une Ivoirienne qui est journaliste, mais qui a une énorme envergure professionnelle. Elle a été aux États-Unis, elle est appréciée sur tous les plateaux. Et vraiment, elle... A elle aussi dans le sujet, hein? Elle éclate de vie. Elle t'a laissé causer deux fois de 20 minutes, je sais pas, mais elle, elle a sorti tous les secrets. Elle, elle est forte, hein, elle, Massy. En fait, Massy, elle a un cœur pour les femmes. Elle est ouais. célibataire, mais elle est issue d'une famille à l'africaine, mmh. où il y a des tantes, des sœurs, des cousines, etc. Et elle a vu comment les femmes souffrent et sont écrasées et ont besoin de retrouver une identité et une place dans le couple. C'est pour ça qu'elle m'a interrogée. Parce que dans ce petit livre, devenir l'ami de son mari... Oui, je parle de la soumission, mais la soumission de cœur, ce n'est pas être un paillasson, ah oui. c'est être une collaboratrice de vie pour que son mari, sa famille, trouve vraiment la place que Dieu veut leur donner. Et comment toi tu vas à l'avenir, spécialement dans la Côte d'Ivoire, comme on était ensemble à la Côte d'Ivoire, il euh, y a plus que mille lieux de culte le dimanche matin à Abidjan, que dans une ville comme Abidjan, autour de mille lieux de culte. Un président qui, qui cherche Dieu ou qui est chrétien engagé, est comment tu vois la, 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 la Côte d'Ivoire Ils ont quelque part avant nous, parce que quelque part en Europe, on voit que nos valeurs, ils n'ont plus, plus rien à dire quelque part. Il y a des valeurs chrétiennes en Europe, mais qui les écoutent encore On a nos lois chrétiennes, mais la société, elle s'en fout, qu'est-ce qu'on fait dans nos églises Alors écoute, je vais te dire la vérité. Les Africains, les Ivoiriens, ont soif de Dieu, ouais, ça mais ils n'ont pas le fondement chrétien. Le fondement, l'arrière-plan historique n'est ouais. pas Christ. C'est ouais. pas une culture chrétienne. Donc c'est un peu comme des bébés en Christ, ouais. et ils n'ont pas encore capté comment vivre une vie chrétienne sur un plan de la moralité, de l'éthique, mmh. et Petit à petit, ils sont en train de reconquérir le terrain, apprendre à être honnête, apprendre à dire la vérité. Pour nous, c'est des choses de base qui nous paraissent évidentes ouais. parce qu'on est sur un fondement ouais. éthique chrétien. Ouais. Et nous, ce qui se passe, c'est que notre fondement éthique chrétien, justement l'honnêteté, la non-corruption, toutes ces choses-là, on est en train de les perdre parce qu'on s'éloigne et on coupe nos racines chrétiennes. Et il peut se passer très peu d'années. Avant qu'on soit en pentraide. Alors, je dirais qu'on se croise. L'Afrique, elle ouais, est en train de monter ouais, ouais, ouais. et nous, on est en train de descendre. J'ai aussi cette impression avec le voyage. Sylvain, vraiment notre ami en commun, il était à Abidjan il y a une année pour donner un concert devant le président. Mm -hmm. Il y a eu 2-3 000 personnes dans la salle. Et euh, tu aimerais bien voir ces images Écoute, la louange en Afrique, c'est quelque chose qui me fait décoller du sol. Alors je me réjouis de voir ces images. Et ils ont des musiciens en hein, Côte d'Ivoire. Oh là là, ils sont bons. Hein. Ils sont bons et ils créent des chants, ce qui est la preuve d'un réveil. Ouais. Michel, on se quitte sur ces images, on revient plus sur le plateau. On va lancer des images du concert avec Sylvain Fremont à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et euh, bienvenue pour une autre fois. Tu peux ramener d'autres sujets, tu peux ramener ton mari ou d'autres élites. Et donc, tout ça, c'est à disposition Ça serait avec plaisir. C'est une série. C'est une série qui s'appelle la série Comment On peut les commander à YouTube TV les gens sont intéressés. Et les filles, YouTube TV, je les S'épanouir dans son travail, surmonter les épreuves, réussir son mariage, raconter ce que Dieu fait, apprendre à prier. Tout ça, c'est là. Et c'est très pratique. Ok, Donc, c'est une petite série très pratique. Très pratique, qui se lève vite et qui n'est pas chère. Ok, on se quitte sur images du concert. À la prochaine, Michel. À la prochaine. Salutations à Carlo. Hein. Je ne manquerai pas. Ok.